À la manière du récit du crocodile qui s'en allait à la guerre sur le bord du Nil, les Badianguena de Mazembe sont depuis ce mercredi au pied du Nil, Khartoum, capitale du Soudan. Objectif, service maximum, ramener minimum un point, et cela s'affiche clairement sur le visage de ces ambassadeurs congolais engagés en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions d'Afrique. Parti de Lubumbashi, les Corbeaux ont transité par Harare, ville qui les a offert beaucoup de chance en quart de finale grâce à l'abdication de Mono Motapa, puis Nairobi, afin d'achever leur trajet sur Khartoum, où ils ont atterri vers 20h30. Quelques brefs moments d'ovation à l'aéroport de la part de la diaspora congolaise et des admirations des Soudanais, vite, l'équipe s'est retirée à son hôtel. Épuisé par le long trajet de près de 5 heures, les joueurs ont eu quartier libre le matin de ce jeudi avant de se mettre vite au vert dans les après-midi. Question de se placer au diapason de la chaleur soudanaise. Retenons que Mazembe est de retour au Soudan, cette fois en officiel, après la CECAFA Cup, et voudrait enfin se débarrasser de Al Hilal Football Club, car de leurs deux histoires de confrontation, que de nuls les ont séparés.